quoi recevoir peut être un défi de vie pour vous. Sujet bigrement intéressant du donner et du recevoir. J'aimerais vous emmener à la rencontre avec une partie de vous-même. Voilà, voilà, chère âme divine. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur la Voie des Mystères. Qu'on se connaisse déjà ou qu'on ne se connaisse pas encore, si vous arrivez sur la chaîne, moi, je suis Catherine. Je suis enseignante, mentor spirituel, channel, guérisseuse émotionnelle. Et j'adore accompagner les femmes qui sont des femmes entrepreneurs, qui sont des femmes spirituelles, connectées, créatives. Je vous emmène à faire grandir votre sécurité, votre guidance intérieure pour avoir une vie sereine. Sereine comme une reine. Alors on est parti. Quel est le sens justement de se recevoir et de se donner quand on a du mal à recevoir? Parce que souvent ça part d'une problématique qui est liée à l'enfance, c'est qu'il y a une partie de vous qui a toujours été dans la sauveuse. Vous connaissez certainement le triangle de Cartman qui nous parle de sauveuse, victime, persécuteur. Et bien vous, vous êtes certainement né avec ce défi dans votre mission de vie. Et ce défi, c'est de vous libérer de cette posture de sauveuse. Alors ça commence souvent par les parents. On choisit des parents qui vont nous permettre de traverser cette blessure d'âme pour la libérer. Alors je la connais bien parce que moi j'ai été une grande partie de ma vie sauveuse et je vous avoue que ça c'était pas simple. C'était même très difficile de pouvoir me détacher de tout ça. Et moi qui suis orpheline aujourd'hui, compte tenu de mon âge, j'ai perdu mon père quand j'étais jeune, quand j'avais 22 ans, et puis ma mère il y a 2 ans. Et bien, les deux, ils m'ont demandé la même chose avant de partir. Ils avaient besoin que je reste auprès d'eux. Et compte tenu de nos relations qui étaient, surtout pour ma mère, très compliquées, ça a été très difficile pour moi et j'ai pas pu en fait. Et pour mon père, ben, c'était compliqué aussi parce que pour moi, j'avais 22 ans, mon père, il était immortel quoi, à cet âge-là. C'est juste pas possible de laisser partir son père. Donc j'avais pas envie, c'était puis tellement douloureux quoi. C'était, Et aujourd'hui, avec le recul, j'ai compris que je m'étais préservée de cette partie sauveuse en fait. Parce que j'ai été éduquée, malgré moi, parce que ça démarre tout petit, hein, à être disponible, à répondre aux besoins, parce que j'avais cette grande empathie que vous avez certainement, si vous me suivez, vous avez ça aussi, cette hypersensibilité. Donc moi, quand j'étais petite, je sentais le besoin de mes parents. Et qu'est-ce que je faisais? En enfant, je répondais. Et donc, pour eux, c'était super. Sauf que ce truc-là, j'ai continué à le déployer, à le développer avec toutes les personnes qui ont partagé ma vie. Et je me suis oubliée, dans le sens où, encore aujourd'hui, pour moi, c'est difficile de recevoir. J'ai une faculté de donner qui est gigantesque. Alors, il y en a plein qui sont venus vampiriser mon énergie, se vautrer, boulotter, on peut l'appeler comme on veut. Pour moi, c'était un peu normal, j'avais été formatée comme ça. Sauf que je me suis rendu compte, en travaillant sur moi, en étant accompagnée par des thérapeutes, qu'il y avait un truc qui était dysfonctionnel. C'est à quel moment je pense à moi, à quel moment j'écoute mes besoins. Il m'a fallu quitter mon dernier compagnon pour que j'aille à l'écoute de mes besoins. Et ça m'a pris du temps pour dire, ok, je suis capable de sentir les besoins de plein de gens autour de moi, mais moi, quels sont mes besoins? Et ça se fait pas comme ça. Donc, si je connais pas mes besoins, comment je peux être capable de recevoir quelque chose? Et quand on me faisait un compliment, j'allais le répéter 5 fois. C'est pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est 5 fois pour que j'y croie. Tellement c'était compliqué pour moi de recevoir ne serait-ce qu'un compliment. Et donc c'est dans les espaces où je me suis retrouvée seule, parce que c'est un choix de vie que j'ai fait à un moment donné, d'enlever un maximum de personnes autour de moi pour que je me retrouve moi dans la solitude, pour être à l'écoute de mes besoins. Ça a commencé par qu'est-ce que j'aime manger, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je n'aime pas faire, et c'est pas si évident que ça. Imaginez, prenez votre crayon, et puis faites la liste, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Souvent c'est plus facile de noter ce qu'on n'aime pas que de noter ce qu'on aime. Donc si ça vous dit, jouez un petit peu avec cet exercice, notez ce que vous n'aimez pas, ça va être un début pour pouvoir aller connecter ce que vous aimez. Parce que souvent, on est défini par rapport aux autres, mais on ne sait pas se définir soi-même. Et moi, je connaissais
les lieux, tout, enfin, ce qu'aimait le père de mes enfants, ce qu'aimaient mes compagnons de vie. Et moi, chaque fois, par exemple, que j'émettais un besoin pour aller en vacances, eh bien, les personnes qui partageaient ma vie cassaient mon besoin, mettaient le leur à la place, et puis j'ai subi les vacances, les choix de vacances des personnes qui ont partagé ma vie. Et à un moment donné, j'ai dit stop, ça suffit, je veux plus de ça, quoi. Donc j'ai mis ces personnes-là à distance pour aller à l'écoute de mes besoins. Et donc ça demande de prendre des temps de pause, ça demande d'être seule. Donc pour ce faire, moi c'est des choses que je propose aux personnes que j'accompagne, c'est de partir un après-midi, une journée, un week-end seule, sans le compagnon, sans les enfants, vraiment seule, à choisir un espace, à emmener ce que vous voulez emmener avec vous, un bouquin, des crayons, des stylos, rien du tout, de la musique, de la nourriture, et puis vous partez. Et là, c'est confrontant, très très confrontant, parce que déjà, c'est des choses qu'à mon avis, vous n'avez pas souvent fait, que vous ne vous autorisez pas, et en plus, ben, c'est qu'est-ce que vous allez faire de tout ce vide, de tout ce temps où vous n'êtes pas tourné vers les autres, vous n'êtes pas tourné vers l'extérieur. Et c'est là où commence le défi, ok, je vais ouvrir ma coupe pour commencer à recevoir, parce que la difficulté justement c'est de recevoir, et ça demande beaucoup de courage, beaucoup de résilience, cette étape là je vous promets, parce qu'elle est difficile. Moi je l'ai vécu, j'ai pesté, parce qu'on est formaté avec des habitudes d'être toujours à l'extérieur de soi et on sait plus être à l'intérieur de soi. Et donc c'est vigilance, parce que vous êtes en déficit de recevoir, il y a un décalage énergétique. Puis vous n'attirez que des pickpockets, je veux dire comme ça, des gens qui vous prennent votre énergie. Donc ça demande, premièrement, non pas de remplir le vide, mais de vider la piscine pour boucher les trous. Alors je le dis comme ça, vous voyez la métaphore que vous voulez. Ça demande d'aller boucher les trous, parce que sinon ça va fuir tout le temps. Ok, ça je ne veux plus, ça je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que de faire la liste des « je n'aime pas », elle est plus facile que de faire de la liste des « je t'aime ». Et là, ça vous commencez à boucher les trous. Et ensuite, quand ça commence à être bouché, vous allez pouvoir remplir. Mais si vous ne le faites pas dans ce sens-là, vous allez remplir et il y aura toujours des fuites. Et où est la fuite? C'est difficile à savoir où est la fuite en fait. Parce que si je prends, vous voyez, un trou dans un pneu de vélo par exemple, bah, vous pédalez, donc vous ne vous arrêtez pas. Vous ne vous arrêtez que quand le pneu est complètement à plat. Sinon, qu'est-ce que vous faites? Votre pompe, vous remettez de l'air, vous rebouchez, puis vous repartez, puis ça se dégonfle tout le temps. Parce que le clou, il est microscopique. Il y a plein de micro-trous. Si c'était le truc, il n'y en a qu'un, il est gros, c'est facile. Mais pour le coup, là, il y en a plein de petits, puis on ne les voit pas. Parce que ce sont de toutes petites attaques, de tout petits scuds que vous prenez tous les jours en disant oui, mais. Parce que vous n'arrivez pas à dire non. Donc, une étape essentielle, là, je viens de vous la citer, parce que c'est difficile de dire non, de dire stop, de dire oui, mais. Entre le oui et le non, il y a une étape intermédiaire. J'entends ton besoin, mais je ne réponds pas tout de suite. Je prends le temps. Et prenez le temps d'aller sentir. Et là, vous allez apprendre à dire le non à l'autre. Parce que quand vous dites non à l'autre, dans l'absolu, ce n'est pas à l'autre que vous dites non. C'est à vous que vous dites oui. Et ça, c'est un switch que vous devrez faire pour apprendre à recevoir. C'est commencer à vous dire oui à vous. Et ça, c'est pas facile. Surtout quand on a passé 30, 40, 50 et plus d'années à dire oui, mais. Et donc, soyez bienveillante vis-à-vis de vous par rapport à cette étape de vie dans laquelle vous êtes. Parce que ça demande du temps, ça demande de la bienveillance. Et ne soyez pas le bourreau, le persécuteur dans mon triangle, que les autres ont été pour vous, que vos parents ont été pour vous. Ne devenez pas vos parents, parce que ça serait dommage. Et ayez cette conscience que un pas à la fois, faites un petit pas. Et une excellente nouvelle par rapport au fait que vous accueillez de recevoir, c'est qu'il y a énormément de gens autour de vous qui sont en déficit de donner, parce qu'il y en a plein qui ont reçu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc quand vous vous permettez de recevoir, vous permettez à ces personnes-là qui ont besoin dans leur expérience de vie d'apprendre à donner, de donner. Quelles sont ces personnes-là? Ces personnes qui sont toujours à l'intérieur d'elles-mêmes. Les moi je sais tout, c'est les gens qui ont dit je me la pète. Ben, ces gens-là, ils sont tellement à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas à l'extérieur. Et eux, leur travail, ça va être, ok,
J'ai besoin de me mettre en reliance avec l'autre pour donner quelque chose, pour faire attention, pour considérer l'autre, pour être dans cette considération. Et donc, ces autres personnes-là ont été dans un déficit particulier parce que les parents les ont peut-être mis sur un piédestal, dans une forme de valorisation, de survalorisation. Et puis vous, eh bien, vous avez été dans une forme de sous-valorisation, vous voyez, ce déséquilibre. Donc, si vous, vous êtes en recherche d'apprendre à recevoir, vous allez naturellement attirer à vous une ou plusieurs personnes qui sont dans l'apprentissage de comment je peux donner. Et l'équilibre est retrouvé au niveau énergétique, au niveau vibratoire. Voilà un petit peu, chère âme divine, ce que j'avais à vous partager par rapport à pourquoi recevoir est un défi de vie. Alors j'avais une carte, parce que j'aime bien toujours jouer avec mes cartes de tarot, qui est la carte des amoureux, qui pour moi, cette carte 6, elle symbolise se recevoir et se donner qui est parfait en fait. Dans la symbolique du 6, je vous le rappelle si vous ne connaissez pas cette énergie. Donc le symbolique du 6, pardon, c'est l'étoile de David, deux triangles qui sont imbriqués. Celui-ci, je vais le faire comme ça, qui est le triangle Yang parce qu'il y a la pointe qui pointe vers le haut et l'autre qui est le triangle Yin parce qu'il y a la pointe qui pointe vers le bas. Et donc le triangle qui pointe vers le haut, comme vous l'aurez compris, c'est le triangle Yang masculin et la pointe qui pointe vers le bas, symbolique de l'utérus, c'est le triangle Yin. Et donc, quand vous êtes dans donner, vous êtes toujours dans le Yang et vous n'êtes pas suffisamment dans le Yin. Et c'est ça qu'on vous invite à faire, c'est trouver cet équilibre des polarités pour être dans cette énergie des amoureux, le donner et le recevoir. Voilà cette carte qui illustre, je vous la montre quelques instants parce que je la trouve très très belle, qui illustre mon propos. Alors que ce soit dans les relations amoureuses, mais également dans les relations amicales, dans les relations professionnelles, dans les relations familiales, dans les relations de couple, dans toutes les relations avec les enfants, dans toutes les relations, c'est important d'aller regarder l'équilibre. Et moi, par exemple, en tant que professionnelle, quand je coach, je fais toujours attention à l'espace que je donne à ma cliente dans l'espace donc, parce qu'elle a besoin de parler. Et moi, donc, je suis dans l'écoute, dans le recevoir. Et à un moment donné, j'ai besoin de lui transmettre des enseignements. Et donc, moi, je suis dans le parler et elle est dans l'écoute. Donc, je fais attention qu'on puisse, par exemple, trouver cet équilibre dans le donner et le recevoir pour que on ait envie de continuer à travailler ensemble, tout simplement, et qu'on prenne plaisir à travailler ensemble. Donc, je suis la gardienne de cet espace du recevoir et du donner. Voilà. J'espère que mon enseignement vous aura éclairé sur votre chemin. Je serais curieuse que vous me partagiez en commentaire comment ça vous parle, comment vous êtes reconnue dans cet espace du recevoir, du donner, et qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place, ou qu'est-ce que vous aimeriez possiblement imaginer mettre en place pour trouver cet équilibre qui pour moi est fondamental dans toutes les relations qu'on peut avoir avec toutes les personnes autour de nous. Voilà, chère âme divine, je vous remercie de m'avoir accueillie dans votre journée et puis d'être arrivée jusqu'ici pour qu'on puisse se dire au revoir. Je vous dis à tout bientôt pour un nouveau partage, pour un nouvel enseignement. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, de vous révéler à vous-même dans votre espace de qui suis-je, d'où je viens, d'aller connecter tous ces espaces en vous, je serais ravie de vous accompagner avec mon accompagnement Révélation. Je vous mets le lien pour venir jusqu'à moi, pour booker, pour une séance découverte de 30 minutes, puis on prendra le temps de se rencontrer. Voilà, excellente journée, et puis à très très vite. Ciao, ciao, et namasté.